Deuxième sketch, j'espère que vous aimez mes amis. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour la suite de FN2016 dans le mode carrière, dans le Grand Prix du Canada. Donc, c'est parti, les amis. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Donc, les amis, Grand Prix du Canada. Et on va prendre les essais libres. Et nous sommes en direct du circuit Gilles Villeneuve de Montréal, où les circuits finalisent les préparatifs avant la séance d'essais libres du jour. C'est en 1999 que le mur extérieur dans le dernier virage du circuit a interrompu la course de trois champions du monde de Formule 1, Damon Hill, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve, et a été rebaptisé le mur des champions par les fans du monde entier. Mais les virages les plus réputés de ce circuit sont les 13 et 14, une chicane rapide qui force les pilotes à utiliser les vibreurs et à se rapprocher dangereusement du mur. Rouler sur ces vibreurs trop vite peut signifier l'arrêt de la course et vous verrez de nombreux pilotes faire des erreurs en s'engageant dans le virage 13, puis court-circuiter la chicane pour ne pas heurter le mur. Alors, on va faire reconnaissance du circuit. We'll be right back.
village, sa mère, et on va essayer de faire un bon temps. On va prendre... attends. Les pneus... Tendre... Pour les prochaines séances, il faudrait songer à lancer un programme de gestion des pneus, au moins pour un type de gomme. Ça nous permettrait d'obtenir des infos en termes de stratégie et de développement. Ça vaut le coup. Ok...
Donc les rails, on va un peu accélérer. Mais on aurait tout intérêt à consacrer du temps à une simulation de sprinter. Essaye d'en lancer une avant la fin des essais libres 3. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Une Mercedes, Raikkonen et Fernando Alonso. Les chronos des essais s'affichent. Il faudra alors patienter pour l'attribution des points. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Bonjour, c'est Emma. Vos objectifs de qualification ont été évoqués à la réunion de ce matin. Je vous les résume. Bon, allez. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour une séance d'essais palpitante. Les équipes finalisent leur dernier réglage. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Donc les amis, il pleut sa mère. Oh, puis on prend ça, hein. Comment il pleut? Remettons doucement de nos émotions à l'issue de ces qualifications. Voici le top 3. Une Mercedes, Hamilton et Kimi Raikkonen. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Retrouvez-nous demain pour vivre de grands moments sportifs. À très bientôt. Thank you.
Bonjour, ça va? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. Bon les amis, on va aller à la course. Donc c'est parti pour le Grand Prix du Canada. Je regarde par la fenêtre de ma cabine et je vois une foule en délire qui a hâte d'assister à une nouvelle course mémorable. C'est ici que Lewis Hamilton a remporté sa première victoire en 2007. En 2011, Jenson Button, parti dernier, a gagné la course. Si vous voulez vivre le grand frisson, suivez le Grand Prix du Canada. Vous voulez de la vitesse? Alors vous êtes au bon endroit. Les 4,3 km de ce circuit se parcourent pied au plancher sur 59% du tracé avec une pointe à 338 km/h avant la deuxième chicane. Mais cela nécessite une discipline de fer et les quelques murs en bordure de piste rappelleront aux pilotes de ne pas avoir le pied trop lourd. C'est l'un des circuits préférés des spectateurs comme des pilotes. Nous sommes bien au Canada, ce circuit nous a toujours réservé de nombreuses surprises. Et c'est Nicolas Martin qui m'accompagne. Je ne crois pas qu'il y ait un autre circuit qui offre aussi régulièrement des fins de course d'une telle intensité. Naturellement, à la fin du Grand Prix, les freins commencent à être usés, les conditions météo peuvent évoluer. C'est donc une lutte de tous les instants jusqu'au dernier virage. Tu t'en es bien sorti pour décrocher la poule, mais on a encore du boulot. Essaie de protéger l'intérieur dès le départ. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Nous retrouvons Mercedes en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Vettel, Daniel Ricciardo et Verstappen, Button, Alonso, Perez et Valtteri Bottas, Hülkenberg, Massa, Pascal, Wehrlein et Sainz, Grosjean, Arianto, Daniil Kvyat et Esteban Gutiérrez, Magnussen et Ericsson, Felipe Nasser et pour finir, Julian Palmer en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Pénalité de Dressrou, tu as reçu une pénalité de... Le départ est imminent et vous... Donc les amis, c'est parti pour le Grand Prix du Canada. Les amis, comme d'hab, je joue au clavier, à la manette. Franchement, faudrait que je m'achète un volant pour voir comment c'est.
pour jouer à F1. Parce que la manette est un peu chaud. Hein. We'll be right back.
très belle performance de Mercedes. C'est une nouvelle victoire historique. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote. Le leader actuel creuse l'écart au classement du championnat après un excellent résultat obtenu aujourd'hui. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous ? Après une telle performance, mon choix se porte naturellement sur Nico Hülkenberg. Une conduite très propre et sans accroc, il peut être fier de sa prestation. Nous passons à présent au constructeur. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les amis. Puis on se dit à la prochaine pour la suite de F1 2016. Et puis je vais essayer de voir si je peux me procurer un volant pour voir comment c'est, parce que avec la main c'est un peu chaud. Tu vois les amis, prends soin de vous les amis.